frères et sœurs de partout, membres de la grande famille de ce réseau évangélique, la radio Vision d'Espoir vous invite à auditionner une toute nouvelle émission titrée « Santé et bien-être ». Dans l'émission « Santé et bien-être », nous aurons à développer des sujets généraux liés à la santé pour votre bien-être physique, mental et spirituel. L'émission « Santé et bien-être » sera diffusée chaque lundi matin de 10h à 11h et répétée chaque jeudi de 1h à 2h dans l'après-midi. L'émission « Santé et bien-être » est conçue et préparée pour vous par votre bien-aimée sœur Béatrice Brice. Bien-aimée, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Émission Santé et Bien-être, entre la caille ou encore une fois, nous saluons avec gaieté de cœur par un bonjour ou un bonsoir, dépendamment du lieu ou de l'heure où vous m'écoutez. On nous dit merci, ou même qui prêtez nous écoute, ou même qui toujours branché Radio Vision d'Espoir. Auditeurs, auditrices, amis, visiteurs de partout, membres de cette grande famille que nous sommes, bienvenue, bien-aimés, sur les ondes de la Radio Vision d'Espoir, à l'heure de notre causerie hebdomadaire sur la santé pour votre bien-être. Comme nous toujours faisons, on doit implorer la présence, l'assistance de notre Père pour que le moment ça, que nous allons passer ensemble, là, un moment béni, et la glorifier son saint et grand nom. En nous couper tête, nous fermer les yeux, nous dans une courte prière. Saint, 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 et l'Éternel des armées. Père, notre Dieu, nous sommes plus que reconnaissants pour tes multiples bienfaits envers nous, pour ta bonté, ta miséricorde, tes compassions qui se sont renouvelées encore une fois pour nous ce jour d'hui. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour les fidèles et fervents auditeurs de la Radio Vision d'Espoir, pour le souffle de vie. Nous sommes encore en vie et nous crions « Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel, tu nous as secourus. » Nous implorons ta présence et l'assistance de ton Esprit Saint, Seigneur Dieu, pour les quelques bonnes minutes que nous allons passer ensemble, que ce moment soit béni, que tout soit fait et dit pour ton nom et pour ta gloire. Et nous disons « Amen ». Oui, nous connaissons but et objectif émission santé et bien-être. Il n'est pas là pour le remplacer visite médecin. Il n'est pas là pour le remplacer conseil médical. Chaque monde, c'est un sujet indépendant et différent. Chaque cas particulier et chaque monde pas le même. Ou capable de même maladie peut-être avec voisin ou bien avec ce ça. Mais nous n'avons pas de maladie à pas manifester même genre, nous n'avons pas de même symptômes ou du moins nous n'avons pas prendre même médicaments. Alors chaque dossier traité est sur mesure dépendamment de la personne en question. Alors, l'on question à côté pourvoyeur de soins de santé ou, et puis pour votre guérison, nous prenons le côté là lui-même qui a clé la vie, qui a clé la mort. C'est là qui dit ou vini, vin joine sou senti ou fatigué, chargé, la bon repos. C'est là qui dit, li kon tout cellule yo que le démette dans le corps là, li konne et fonctionnement yo, et li konne si ou pas marché, qui sa ou même, qui j'en capable. Si ou vin kote honnêtement, si ou vle guérison sincèrement, et bien ki j'en capable remédier sou travail ensemble avec, sou met oreille ou à l'écoute, la fort tende et ou ap tende exactement, ou ap suivre à la lettre, si ou vle guérison vraiment, pour capable remédier ou à votre santé première. Alors nous dit bon Dieu merci. Dernièrement, nous t'a parlé des reins, nous t'a pris qui j'en. Qui gens ou capable kembe organe sa yo en santé yo fait travail pour ou, et bien c'est comme si ou c'est des ouvriers et bien ou vle bien payer ou vle bien prendre soin travailleurs sa yo ouvriers sa yo pour capable bon rendement. Alors nous ouais tout
santé corps, elle dépend de des aliments que nous consommons, elle dépend de mode de vie nous, elle dépend de est-ce que nous menons une vie sédentaire, est-ce que nous appliquons les 8 docteurs que bon Dieu mettait à notre disposition, nous pas besoin rendez-vous, nous pas besoin on les faire un appel, ils sont tout disponibles, c'est juste avec volonté et nous voulons appliquer dans notre vie quotidienne, eh bien, n'a besoin rendement, pas besoin de payer pour ça. Il est tout là, marcher dans la nature, respirer et soleil là que bon Dieu mettait dehors pour nous cap synthétiser vitamine D dans corps nous, boire de l'eau, manger qui est nutritif, manger cap nourrir corps, exercice et puis la croyance en Dieu et sans pas oublier la tempérance. Et le repos, nous ne sommes pas capables de croire, c'est pour un petit moteur lié. Même le son, c'est un petit moteur, le moteur n'est pas capable de continuer à marcher éternellement sans le bajam camper. Lorsqu'on machine, il faut qu'on mette l'huile là-dedans, il faut qu'on fait travail, transmission, il faut qu'on fait tout le monde. Faut de temps en temps, on va remanier, on va passer main pour être capable de boire bon rendement. Son jeune dit, quoi? Pour l'obal bon rendement par l'alimentation que vous mettez là-dedans, qualité vous mettez là-dedans, non? Et bien, même la bon rendement. Vous mettez l'huile nécessaire, essence nécessaire, carburant nécessaire pour fonctionner, et bien, là, pour aller avoir bien loin, même avec machine, ça, l'on achète, et bien, pas qu'à seulement conduire, ou pas mettre gaz là-dedans, ou pas faire tuner là-dedans, ou pas checker moteur, et pour seulement conduire, mais là, fini par camper, et nous comprendre quoi ça, le camper, qui ça veut dire que le camper. Eh bien, alors nous allons adopter notre toute première pause. Nous sommes fait introduction pour être capable d'entrer dans le sujet de pour. Qui sujet de pour aujourd'hui? Eh bien, on va le découvrir ça. Gardez l'écoute, s'il vous plaît. Guérison, oh, 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 Abba.
retour après la pause. Nous sujet nous pour aujourd'hui hein. Nous voulons parler de syndrome qui touche les femmes, qui affecte les femmes, seulement les femmes, syndrome des ovaires polykystiques. Ou capable d'entendre ça ou bien capable connait un monde qui attaqué affecté par ce syndrome. Ou du moins, ou gen de pas connaître, même bral bon détail, pour dire, oh, peut-être, ça capable, peut-être, si c'est pas ou même, ou capable peut-être qu'on a un monde qui est affecté par les mêmes, on n'a pas même compte qui s'allie exactement. Syndrome des ovaires polykystiques, il touche environ 8 à 13% des femmes en âge de procréer. Alors, monde qui dans l'âge fait petite. Et monde ça yo qui touché ou bien qui affecté, yo gen 70% nan yo même qui poko diagnostiquer. Alors yo poko diagnostiquer parce que yo pa konnen moun nan gen droit ouais dans l'âge et pour le faire petite dans l'âge pour procréer li pa jam ka enceinte de gen problème règle irrégulière des fois pa ovuler li pa vraiment la prend poids li pa konnen li pa diagnostiquer li pa konnen ça passé syndrome ça li causé. Et c'est la cause la plus fréquente d'anovulation qui fait mon n'a pas ovulé et l'une des principales causes d'infertilité, les causes infertilité chez la femme qui est affectée. Syndrome ça est associé à une variété de problèmes de santé à long terme qui affectent le bien-être physique et émotionnel. Alors qu'à comprendre, on fait un âge pour crier, mon mari, il a un bébé, et puis elle n'est pas enceinte, ça capable causer problème dans le couple, dans le mariage, ça capable causer mon antigène déprimé, mon pense le bon problème, mais par contre, qui côté problème n'a y est, eh bien, c'est ça qu'il faut être capable affecter le bien-être physique et émotionnel. Syndrome ça ou capable je n'y présent au sein d'une même famille. Maman t'es qui doit souffrir avec elle ou du moins si t'es qui une difficulté pour t'enfanter. Petite Lio vin mesdames Lio petite fille Lio vin gain. Nous capable les sœurs dans une même famille et frapper par ce même syndrome. Mais même le que yo capable sœur ou bien maman petite mon maman te gagne ou même yo gagne tout, mais il existe des variations, ça va dépendre de la personne qui est atteinte par ce syndrome. Alors syndrome polycystique ou syndrome des ovaires polycystiques, ils sont affections hormonales. Alors les toucher, c'est toujours un déséquilibre hormonal qui courante qui touche les femmes en âge pour créer. Les commencer habituellement pendant l'adolescence, mais justement c'est pendant l'adolescence depuis demoiselle a fait une formée, les dans l'âge pour créer. Alors le monde ça avait d'entrer en couple et marié, et bien problème dans les s'il pas diagnostiqué, il pas vraiment connait que ça rien, mais mon ça vient pas ovuler, mon ça vient infertile, mon ça prend poids, mon ça il vraiment pas connait ça rien. Quoi nous dit 70% des femmes touchées ne sont toujours pas diagnostiquées, pas connait exactement qui ça au gain. Alors il commence habituellement pendant l'adolescence, mais symptômes yo fluctuer, yo changer avec le temps. Syndrome ça, le syndrome des ovaires polykystiques, il est capable de provoquer quoi nous dit des déséquilibres hormonaux. Mon avine des règles irrégulières, les ont un taux excessif d'androgène et des kystes dans les ovaires. Qui ça qui est androgène? Androgène bien-aimé, c'est un groupe de hormones, un groupe de sexe hormones. Ça y aide à commencer puberté dans adolescent, adolescente, et ils jouent un rôle dans la reproduction, de la santé reproductive. Et bien, androgène, hormone androgène, ça n'a rien ni chez les femmes, ni chez les hommes. Mais les hommes, chez les hommes, taux androgène ou bien taux hormone, ça a eu plus haut. Parce que vous avez besoin de filles qui ont estrogène et testostérone, et bien, filles, taux testostérone n'est pas aussi élevé que garçon en gain parce que c'est garçon qui gagne plus hormone ça. Et bien androgène, hormone androgène là
li vini gon déséquilibre chez les femmes, li ta supposé bas, et bien li vini gen excessif le taux des hormones androgènes yo vini plus élevé, tandis que tu as supposé plus élevé chez les hommes. Et bien une femme touchée par ce syndrome, et bien ou après que niveau testostérone antigen élevé, le pas ta supposé élevé comme ça, bien que le supposé présent chez les femmes, mais les pas supposé haut dans sens ça. Alors c'est comme ça ou capable boire tout si moun ça parler pas ouais son pourvoyeur de soins de santé qui pour faire un bilan des hormones, qui pour garder exactement est-ce que niveau œstrogène est normal, est-ce que niveau testostérone est normal. Eh bien mon ça c'est une difficulté à enfanter, eh bien peut-être c'est qu'on soit capable de découvrir, capable de diagnostiquer maladie. Tandis que il y a un taux excessif d'androgène et des kystes dans les ovaires, ovaire là il paraît être un pile kyste, mais c'est pas kyste vraiment yoyé. C'est yorel le polykystique, mais c'est plus semblé c'est kyste yoyé, mais c'est pas kyste yoyé vraiment. C'est niveau hormone androgène qui est élevé. Moun sa gen des règles irrégulières généralement li kon accompagné d'un manque d'ovulation, quoi nous dit anovulation, li pas ovulé qui rend ni difficile pour moun sa tomber en grossesse. C'est youn ouais symptôme ça, c'est l'une des principales causes que nous trouvons d'infertilité. Alors syndrome ça qui c'est syndrome des ovaires polykystiques, c'est une maladie chronique. Li incurable, mais ça pas veut dire que pendant que mon gagne, gagne mon qui gagne qui finit par fait petite qui tombe enceinte qui fait petite, mais li a li touché mon nan d'une manière le taux d'androgène qui est élevé et ovaire là qui paraît que des gain en pile qui c'est gain c'est ça qui fait le polykystique ou et nous parle de plus devant des symptômes qui ça mon capable développer et bien mon ça il capable gérer problème non mais problème non pas éliminé, c'est ça qui fait dit que li chronique et li incurable. Cependant symptômes ouais nous capable améliorer et des changes il capable des changements de mode de vie. Alors c'est par exemple moun sa qui gen problème hormone, moun sa prend poids, moun sa n'a pas le plus devant, moun sa qui gen excessif taux androgène qui c'est hormone ou joigne chez les hommes que toute fille gagne, garçon gagne œstrogène tout, mais niveau testostérone garçon plus élevé que niveau œstrogène, ou après niveau œstrogène chez les femmes plus élevé que niveau testostérone. Mais dans cas mon ça qui gagne ça ou le syndrome des ovaires polykystiques, et bien il gagne niveau testostérone qui vient plus élevé, ou après mon ça il vient gagne pour sembler, ou après fille ça qui gagne poil sur visage li ou bien gagne poil dans dos li plus dans corps li que le pas ta supposé gagner si niveau testostérone ou bien niveau androgène pas trop élevé. C'est ça qui fait et comme c'est ouais moun ça la combattre li vin gen so gen des fois tu kon bo impression ou du moins kon ba ouais moun ça visage est capable de sembler un visage en garçon. Ou bien c'est de temps en temps, cheveux pas vraiment poussé, ou du moins si l'on a des cheveux, ou pas la perte du cheveu. Moun sa pa ka, moi en pile ka kon sa, ou capable boue vraiment, moun nan li, la manifestation en vraiment réel la kay moun nan, c'est pas un bagay que ou abdi nan l'air, mais ou capable boue l. Et quoi nous dit symptômes yo capable améliorer par exemple et le mon adopté un mode de vie et gain des médicaments et pour traiter infertilité le mon pas ka faire petite ou bien mon pas jamais ka tomber enceinte mon
pas ovuler, il y a des médicaments qui peuvent aider la personne et si mon adopté en mode de vie, mon ça que t'apprend pour mon ça qui gain taux insulinique ou mon ça qui vin et déprimé, et ben il y a des médicaments qui capable aider mon. Et cause, il y a pas connu qui ça qui causé la cause de ce syndrome et c'est inconnu. Mais c'est toujours elle chez les femmes ayant des antécédents familiaux qui sont atteints d'un diabète de type 2 sont exposées à un risque accru. Eh bien, c'est ça que fait, c'est tout adopter un mode de vie. Nous t'ai toujours dit ça. Le fait qu'on saute dans un parent qui t'a fait et tension artérielle élevée, qui t'a fait, quelle que soit maladie ou t'a fait, ya, ou capable de prédisposition, hein, parce que ou héritier du patrimoine génétique dans eux-mêmes de parents. Mais ça pral dépend de mode de vie. Ou. Génétique, là, c'est revolver là qui n'a même. Eh bien, mode de vie, hein, ça pral décider si vous pesez sur la gâchette, si vous pesez sur la gâchette revolver là, qui pral causer boulette la partie, ça c'est ou même et dans mon revolver. Oui, ou héritier revolver là de parents. Mais qu'on y a revolver la charge, oui. Mais est-ce qu'on peut le peser sur gâchette là? Et gens pour peser sur gâchette là, c'est gens qui ont mené votre mode de vie, gens adoptés. Est-ce qu'on peut le manger, gens maman t'es mangé? Est-ce qu'on peut adopter même mode de vie que parents ont adopté? Eh bien, ils ont même été fait sucre, été fait tension, été fait cholestérol parce qu'ils ne savaient pas mieux. Eh bien, au même qu'on y a là, ou bien adopter un autre mode de vie pour pas hériter même le ou gain tendance là mais pour pas hériter toute bagaille ça yo. Alors ou pour inclure on alimentation saine, ou pour inclure et une activité physique quotidienne, ou pour faire adopter un mode de vie qui pour différent de sorte héritier de vos parents. Alors, ça, syndrome, ça, c'est un problème de santé publique. Il est très important et c'est une des troubles hormonaux qu'on nous dit qui est plus courant chez les femmes en âge pour créer. Maladie, ça, nous on dit que j'en ai quantité mon y touché et en pile dans mon ça, yo, y a pas diagnostiqué, y a pas vraiment connu cause problème. Y a enceinte, y a marié, y a marié, y a pas qu'à enceinte ou mais si enceinte, y a gain du mal à retenir le bébé. Eh bien, mon nan ki doit pas connaître, li pa aller checker docteur, du moins li vraiment pas connaître cause ou bien racine problème ça qui c'est un ovaire qui semble le grand pile kyste, mais yo pas vraiment kyste réel qui besoin pour mon al retirer ovaire là, ou bien besoin mon al faire opération, ou bien besoin al faire d'autres interventions, mais c'est à cause des un équilibre hormonal qui cause mon sa fille ça devient gain plus hormone garçon que t'a supposé gagner, taux hormone et androgène en vient plus élevé. Alors nous allons adopter une deuxième pause et nous retourner pour capable continuer avec notre sujet. Aujourd'hui, gardez l'écoute, s'il vous plaît. Aucun autre Dieu.
Alors, une femme atteinte de ce syndrome, quels symptômes est capable de présenter? Quels gens sont capables de le monde en vie, ouais, pourvoyeur de soins de santé, pendant consultation, hein, qui ça le bral dit médecin, qui ça le bral dit practitioner, pour le clinicienne, pour les connaître, ok, gens, selon ça, dit mieux là, selon ça, m'entendé, selon symptômes qu'il présente, il décrit, yo, alors, c'est cas ça, ou bien c'est ça, mon nom présenté. Pendant que les symptômes sont capables de différer d'une personne à d'autres, mais les symptômes sont capables de changer tout au fil du temps. Et parmi les symptômes, on peut mentionner on a des règles irrégulières, les capables abondantes, règles capables longues, au lieu de faire 3 jours, mais on a 8 jours, on a 2 semaines avec règles, et puis on n'est pas venu le pour venir. Par exemple, on est capable normalement on capable d'avoir un cycle de 28 jours, chaque 28 jours ou bien chaque 26 jours, 25 jours, mon règle cycle menstruel, mais mon ça les venir des venir des règles imprévisibles ou bien même des fois inexistantes, des qu'on pas même gain même des fois nous conjoindre jeune demoiselle qui ont 18 ans et beaucoup formé, et beaucoup entré dans la puberté. Alors, ça, c'est en cas de ce syndrome, on n'a pas connu, il y a une infertilité, on n'est capable de ne pas tomber enceinte, il y a du mal à tomber enceinte. Et mon ça qui gagne syndrome ça est capable de présenter avec peau il a toujours gagné acné des fois ou bien peau a bien les gon peau qui toujours grasse son peau qui toujours huileuse et qui ça veut dire ça oily skin et mon ça les gagne acné et des fois quel que soit l'âge là peut-être le mon en âge adolescent il est capable de penser c'est parce que mon en puberté qui fait les gain acné. Non, acné ça qu'on prolonge non seulement il dépasse l'âge adolescent et puis mon en gain peau qui gain acné. Mon ça gain excessive pilosité, il gain poil sous visage, il gain sous col comme fille mon ça des fois c'est rasé pour la Brésil parce que il gain visage li barbu ou bien il est capable de gagner dos li gagne côté le pas supposé gagner mon ça ou regarder tête li gagne quoi ça ouais comme si les antigens cheveux au clair semé cheveux pas fourni cheveux ça yo vin yo mon ça li pas vraiment pour ses cheveux comment on dit ça en créole mon ça ka gagne tête li crotte à cause de ce syndrome, mon sac prend poids, surtout au niveau de l'abdomen, où mon a marché avec un poids autour de l'abdomen. Mon qui gagne qui atteint par, ou bien les femmes atteintes par ce syndrome, ils ont des fois développé des problèmes de santé ou qu'on voit des diabétiques. Moun sa kon genye surtout un diabète de type 2, moun sa kon genye hypertension artérielle, tension élevée, moun sa kon genye hypercholestérolémie, moun sa genye taux cholestérol qui est élevé, moun sa ka genye sa rele une cardiopathie. Cœur y a des problèmes que cœur est capable muscle capable surdévelopper et des fois y qu'on gagne ça ou les tout cancer de la paroi de l'utérus ça ou les cancer de l'endomètre et paroi utérus là y qu'on affecté chez les femmes atteintes par ce syndrome qui c'est syndrome de ovaire polykystique. Alors, on nous prête attention à ça. Capable bon jeune fille à caillou, les gain 18 ans pour conformer des fois ou du moins où elle plus à développer les gain cheveux dans son visage li et puis ouais cheveux ou antigen clair semé. Alors pendant n'a dit ça, on pas ouais tout symptômes ça eu. Car au monde on constate au monde capable présenter tous les symptômes. Il y a des monde qui ont syndrome ovaire polykystique mais longueur cheveux yo.
yo gen d'autres symptômes, yo pas développé, li pas développé pareil chez toutes les femmes. Quoi nous dit chaque monde son cas particulier, chaque monde li c'est un sujet indépendant d'un autre. Ou gen doit moun nan gen long cheveux et puis moun ça li gen règle irrégulière. Ou bien moun sa la pran pwa, ou bien moun sa, et c'est pas tout moun tout ki gen ki pran pwa. Ou konn moun nan vraiment 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 sexy, moun konn wè sa et puis moun nan li genyen un syndrome et ovaire polycystique. Alors ce qu'on nous dit, les symptômes varient de personne en d'une personne à une autre. Mais c'est tout symptôme ça yo ou capable on monde gain quelques on monde gain plus on monde gain toutes mais d'une manière ou d'une autre ou a joindre une là dedans présent kay moun ki gagné qui attaqué par ce syndrome. Alors moun nan doit prendre poids et gain la doc pas prendre poids comme tout monde connait ouais et patient qui gagné qui maigreur et pour ouais gain la doc qui vraiment mince. Et puis qui ou konn gen bel cheveux et puis ou gen la dan yo qui gen comme si gon calvité ouais devant tête là côté il gen il croue quoi il chancré ouais tête garçon konn chancré ya ou konn gen la dan qui gen ça pral dépendre moi ou gen doit jeune la dan qui prend poids gen la dan qui pas prend poids ça pral dépendre mais ou toujours joine ou capable joine moun nan gen diabète type 2 hein. Moun sa capable gen hypertension artérielle, moun sa capable gen niveau cholestérol li ki élevé et tout ça on sou mentionné. Alors comme nous l'avions dit, les symptômes diffèrent d'une personne à une autre. On sa ka jwenn tout présent chez quelqu'un ou ka jwenn quelques présents après le dépend. Ou capable gen deux sœurs dans même maison et bien ouais qui gagnent présentation différente. Alors c'est pas seulement ou capable de dire oh peut-être comment me faire les mêmes ligue ça c'est pas même bagarre avec quoi nous dit on monde capable gain même diagnostic il fait même maladie avoir il pas gain même symptômes il pas gain même présentation et ainsi médicament peut-être monde ça prend il capable peut-être pas les mêmes cap bon pour ça prend dépend de la présentation des symptômes chez la personne. Alors nous comprendre problème ça il ca vienne causer mon ça anxiété il ca vienne causer mon ça dépression mon ça ca gon image corporelle négative la caille mon ça peut par exemple fils ça qui gain qui gain des symptômes de l'infertilité ou bien mon ça qui gon surpoids ou bien mon ça qui gain excessif poil dans visage li il ca vienne créer une stigmatisation kay moun sa pa santi la lèz lèl nan mitan lòt moun. Moun sa santi li jenè, moun sa vin ap deprimé, moun sa vin fè depresyon, moun sa de konsekans ki kapab afekte la vi moun sa, relasyon moun sa, travay moun sa et surtout le moun nan pa ka konnen surtout si moun nan pa diagnostike. Alors, c'est ça qui fait nous capable et ce syndrome peut aggraver la relation familiale. Il est capable aggraver et mentalement, émotionnellement, mon ça n'est pas à l'aise avec corps lié. Et folle tout temps fiant, folle tout temps raser et pas garçon et puis voilà raser, il est pas vraiment compte pour qui raison. Surtout quand nous dit c'est mon ça pas diagnostiqué. Mon enfant tu t'as pas la médecine donc ils font consultation. Alors docteur a lui-même les pral déterminer est-ce que ce syndrome ça mon a gagné pour capable venir avec un diagnostic qui j'ai diagnostiqué et le syndrome des ovaires polykystiques mon ça la présence d'au moins de deux éléments. Moun sa capable gen des signes ou bien des symptômes d'un taux élevé d'androgène, le moun apparaît ou moun gen poil sur visage li, moun nan ou bien gen poil l'autre côté nan col, l'autre côté qui indésirable que le pas ta supposé gagner. Moun sa gen la perte des cheveux sur la tête, moun sa ka gen acné ou bien taux testostérone moun nan
li élevé. Et que j'ai après ça, c'est leur font prise de sang, et après font un bilan des hormones, puis regarder le taux de chaque hormone. Et bien moun sa ka gen des menstruations irrégulières ou bien inexistantes, moun sa ou du moins si gen des règles abondantes ou bien gen des règles longues ou bien gen des règles qui imprévisible ou vient n'importe qui le ou bien gen inexistante. Et bien si ou capable faire tout on échographie pour visualiser les ovaires pour capable voir est-ce que moun sa gen et les kystes présentes dans les ovaires. Et yo capable diagnostiquer et syndrome ça comme ça. Alors on fait une analyse de sang pour yo identifier les changements et caractéristiques au niveau des hormones et a fait échographie hein, pour capable visualiser les ovaires et bien le femme ça ou bien moun ça li atteint de ce syndrome et bien y a pouvait que taux qui paraît en syndrome y a maintenant ovaire yo y a paraît élevé y a bien pile qui paraît sous ovaire capable voir ça à travers une échographie. Alors la prise de sang pour évaluer ou bien pour faire un bilan hormonal, le pal checker et l'hormone testostérone, pour regarder qui niveau li, le pal checker œstrogène, le pal checker hormone qui est lutine hormone. Hormone ça c'est lui même qui agit sur la production d'hormones par les ovaires et il joue un rôle important dans l'ovulation. Yo pral checker hormone insuline. Hormone insuline c'est lui même qui principalement dans l'utilisation de l'énergie provenant des aliments songe le nous manger, ça nous manger hein, li pral transformer en glucose que insuline que pancréas nous sécrété par les hormones par les cellules bêta du pancréas et glucose ça insuline ça pral transporter glucose yo chez dans les organes vitaux et puis nous l'autre hormone encore qui mesurer fertilité des ovaires. Alors c'est leur font bilan hormonal pour checker tout hormone ça yo est-ce que au balancé est-ce que pas grand déséquilibre est-ce que une pas plus élevée que l'autre et surtout la testostérone. Et bien, une hormone androgène ovarienne qui influe sur la croissance des cheveux, mais le lit élevé chez la femme, un critère pour diagnostiquer syndrome ça. Tikyo qui dit que oui, mon ça les atteint ou bien les attaqué ou bien les gagné syndrome des ovaires polykystiques. Après, elle prend notre troisième pause. Et nous allons vous revenir sous peu. Gardez l'écoute, s'il vous plaît. Jette à tes pieds, Seigneur, viens vite à mon secours. J'ai tant besoin de toi, Seigneur, toi seul est mon recours. Je dépose à tes pieds, Seigneur, de mes maladies. J'ai toute foi en toi, Seigneur, en tout ce que tu dis. Et je serai
ouais que patiente là le représente à l'ouais médecin hein? Faut que faut au moins joindre deux symptômes ça au la caille et suspecter ou bien lui présenter au moins deux symptômes ou bien mon il y a des menstruations qui irrégulières ou du moins mon nan gen excessif poil dans visage li, ou bien d'autre part indésiré dans corps li ou du moins mon nan gen ça gen des dysfonctionnements ovulatoires mon nan vinn gen li pas ovulé nous parler de règles irrégulières qui capable long qui capable inexistante tout des fois mon pas réglé ou du moins li vinn le vle ou bien mon ça tout le ou fait échographie hein, pour le que c'est ultrason hein, yo wè que li gen ovaire li qui polykystique qui gen en pile kyste là-dedans yon échographie pelvienne on peut checker est-ce que li visible et yo kon fè des tests de grossesse pour mesurer hormones et qui responsable de la grossesse ou du moins c'est capable tout mesurer hormone thyroïde là yo fait un taux ou bien un bilan hormonal le capable faire une échographie transvaginale tout pour détecter les causes possibles du symptôme et bien diagnostic là il est pas basé non seulement leur mesurer androgène, leur mesurer les hormones chez les femmes telles que la testostérone. Yo pa pas vraiment basé diagnostic là sur partie ça parce que gen des monde qui connent des tumeurs qui excrétaient qui sécrétaient plus androgène. Alors ça seulement avec un autre symptôme, yo pral derrière checker un autre symptôme encore. Alors c'est pas seulement disons si mon on venait avec visage qui gagne excessif poil ou bien mon plein de complaintes de pas gagne et gon règles qui irrégulière et puis yo checker hormone androgène taux androgène élevé et mais pas le baser sur taux androgène avec l'autre critère là on va le dire en l'autre critère encore parce que dans le cas des androgènes peut-être qu'on n'a pas bon tumeur quelque part qui sécrétait plus androgène alors faut qu'yo fait sûr que ça cause ça les pas yo exclut cause ça yo checker au niveau testostérone totalement là. Noueto et non seulement pour diagnostiquer faut que gagne faut mon présenter avec deux symptômes ou plus au moins faut mon gagne deux symptômes qui présent mon ça tout dans présentation qu'on gagne yo nous parler de acné, nous parler de poils sur visage ou bien des endroits indésiré que mon nan pas ta supposé gen en tant que fille mon sa li kon gen des règles irrégulières mon sa par contre amené kon pas ovulé li gen difficulté pour tomber enceinte et mon sa li capable gen diabète type 2 li capable gagner hypertension artérielle li capable gagner cholestérol li qui élevé mon sa tout l'organe des couleurs mon ça que mon de couleur noire ou bien d'une peau plus claire mon ça au jaune il y a une ligne des couleurs you can relate ça à kentosis nigricans ça c'est une signe mon ça les pré-diabétiques ou bien ça les borderline diabétiques ou du moins mon ça ou garde les lignes qui des couleurs l'antigen velvet ou en velvet c'est mon de couleur noire ou elle qu'on velvet non manque la plus noire que l'autre côté dans col mais très ça qui passait autour de cou des comme surtout à point mon n'a gain ça mon n'a capable mon qui gain problème symptôme syndrome de ovaire polykystique là
les qu'on gagne du mal à tomber enceinte, mais des fois tout du moins elle tomber enceinte, les qu'on gagne des complications, ça ou qu'on risque ça ou qu'on augmenter à cause du diabète là mon enfant, mon capable bien faire diabète gestationnel, mon ça capable peut-être faire un accouchement prématuré, mais mon ça capable gagner pré-éclampsie parce que tension artérielle élevée au cours de la grossesse. Alors mon ça est à risque pendant leur grossesse. Alors c'est quelque chose à considérer, quelque chose à pour monitorer. Et mon ça les gain tendance si par exemple on côté le besoin de soins, il capable perdu bébé. Mon qui adolescente là les mêmes non seulement les capable gagner le gain régler les gain des saignements, les saignements plus longs et puis les durer tout demoiselle entrer en puberté et puis où elle a fait chaque mois le règle long mon ça ti mon ça ou bien demoiselle ça li paraît avec visage li avec un pile poil ou bien mon ça gon acné qui vraiment sévère parce que taux androgène androgène et chez cette personne là chez cette adolescente li super élevé et bien given que ça relé en hyper androgénémie parce que taux testostérone dans les élevés caille adolescente ça qui atteint de cette maladie ou bien de ce syndrome et adolescente ça le médecin n'est pas diagnostiquer ou bien pour checker pour être sûr que est-ce que deux symptômes ou plus présents et chez cette adolescente non seulement il pas checker taux androgène et mais li capable paraître non seulement capable gen poil dans visage li mais li capable paraître gen en virilité en tant que demoiselle donc on voit plus virilité chez les hommes et mais capable boel c'est pas seulement ca demoiselle là non même le dépasser en âge on voit virilité ça et mais capable boel tout gen tête là qui chancré cheveux qui éclaire semé mais chez l'adolescente, il pas pour le faire échographie transvaginale. Il pas pour le faire échographie transvaginale, il capable faire échographie pelvienne côté que yo sous ventre là, yo checker, ils font ultrasound pour checker ovaire, mais pas pour aller faire échographie transvaginale parce que c'est encore une fille même le que laisser en adolescente parce que les manières pour différencier ou bien diagnostiquer à partir de l'échographie, hein, il dit plus chez une femme avancée ou bien une femme mariée, je devrais dire. Alors, leur fin diagnostiquer syndrome ça, quel genre de traitement que je suis capable de présenter à mon ça pour mener un mode de vie plus ou moins normal. Pour ne pas perturber par ces symptômes. Comme quoi nous te dit dès le commencement, un mode de vie mon capable adopter. Par exemple, si mon ça les mon ça gain surpoids et des fois dans cas polycystique syndrome polycystique là mon ça qu'on gon surpoids que le pas contrôler et c'est malgré lui même le que les suivent on régime alimentaire et normal ou bien nutritif mais des fois mon ça qu'on pas contrôler prise de poids habituellement yo qu'on mettait au sous contraceptif yo qu'on mettait au sous bio des progestatifs qui pour aider réguler et régler ou bien réguler hormone et dans cas que mon ça qu'on présenter avec prédiabétique mon ça ou du moins mon ça diabétique qu'on mettait mon sous médicament qui pour sensibiliser insuline par exemple dans qu'on bio metformine pour yo prendre pour sensibiliser insuline pour pas venir résistant à l'insuline parce que à cause de diabète type 2 ou bien prédiabétique des fois mon on suit traitement pour cheveux cap et cheveux plumes ou bien poils au visage chez la femme adulte
parce que les vins mon n'est pas vraiment comment on dit ça, les pas à l'aise avec. Et puis yo konn ba yo traitement de l'infertilité pour capable aider aussi mon n'a vle un bébé, yo ba yo traitement aider yo contre l'infertilité pour n'a ka tomber en grossesse, yo traiter les anomalies hormonales et métaboliques. Et depuis on fait ça, nous songez le mon n'a syndrome métabolique, mon n'a hypertension, mon n'a fait diabète et mon n'a fait cholestérol abdomen mon ça konn détiré parce que mon n'en prend poids au niveau de l'abdomen et mais si on réduit syndrome ça yo l'a aidé avec œstrogène mon n'en et chez la femme et aussi nous t'ai parlé de cancer de l'utérus de la paroi de l'utérus qui c'est et yo les endomètre yo capable aider soulager symptômes ça yo traiter l'infertilité ba mon médicament pour sensibiliser insuline et mon ça ba des contraceptifs pour réguler hormone règle mon ça alors c'est des le traitement l'approche que yo souvent qu'on fait pour aider au monde qui subit ou bien qui souffre, au monde qui vive avec le syndrome des ovaires polykystiques. Alors au monde qui gagne, ça va veut dire que monde n'a pas enceinte. Monde ça depuis le suivre traitement, il est capable enceinte et il fait bébé lit en seul bagaille, des fois qu'on a risque ou du moins mais médicament ça on a toujours prendre mettez mon sous metformin, mettez mon sous dans cas que mon a le papa le bon contraceptif souvlé si vous voulez porter un bébé, vous êtes capable de baoul temporairement pour réguler les hormones et puis ensuite vous baoul médicaments contre l'infertilité. Alors aujourd'hui, hein, je vais retourner avec la dernière portion. On prend l'autre pause. Alors, nous, un sujet que nous avons débattre aujourd'hui, hein, c'est le syndrome des ovaires polykystiques, qui est un syndrome présent chez les femmes en âge de procréer
8 à 13% des femmes diagnostiquées gain problème ça. Mais mon gain combien mon tout qui gagne, yo pas connaît au gain. Yo gagne, yo pas vraiment diagnostiqué. Yo pas c'est pas déterminé, mais mon nan a vivre avec. Et ben ça capable passer le monde ça les monde ça vient gain des règles irrégulières, les vient gain un dysfonctionnement ovulatoire. Moun sa gen des ovaires polykystiques et règles sa capable long, règles sa yo capable même capable inexistante. Moun n'a pas même gen règles même ou bien ou elle avancer dans l'âge 18 ans, elle pour entrer dans puberté ou du moins le moun n'a vient entrer en puberté, il pas gen règles chaque mois régulièrement ou bien elle gen yo gen très long, elle gen yo lycée en pile, moun sa konn gen poids. C'est pas dans tout cas moun n'a obèse, moun n'a konn gen poils sur visage li. Moun sa en pile femme qui yo konn obèse, yo konn pas obèse, c'est pas toute la dame qui gagne quoi on dit, ou pas jeune toutes symptômes yo dans tout monde, chaque monde à présenter différemment. Et moun sa si li vle di konn gagne infertilité, et ben moun sa si li désiré une grossesse, la pral prend y a pral bal médicament ou bien un traitement contre l'infertilité. Et nous wè sa k passé, c'est un déséquilibre hormonal chez les femmes qui causait ça, qui konn causer les hormones androgènes chez les femmes. Toyo vin plus élevé. Hormone androgène nous dit ni fille hein, ni chez les femmes ni chez les hommes, yo gen les deux hormones. Yo gen œstrogène, yo gen testostérone. Mais chez les femmes, le taux de testostérone est très 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 bas. Mais le monde nan souffre avec syndrome ça, et mais taux ça pour ta gagner hein, les antigènes élevés. Ou monde ça des fois yo kon montre et on certain trait de virilité. Ou bien moun sa le konn gen tête li cheveux le chancré, cheveux clair semé. Moun sa gen poil non seulement dans visage et côté le pata désiré. Ou konn wè gon linde kou yo ki anti jan velvet. Et kou velvet, l'homme dit vel, kou velvet, lo senti vel, lo passé mon son bagay ki velvet. Et bien li konn gen ling sa des couleurs ki plus foncé et surtout le moun nan gagné mon en prédiabétique ou bien mon en diabétique. Alors, yo capable bal médicament pour combattre le diabète, pour bal médicament pour combattre le cholestérol, si mon en hypertensive, li fè tension élevée, yo bal médicament pour ça. Et bien mon ça capable mener une vie, li toujours gen bagala mais li contrôler parce que la prend médicament, li ka toujours fait bébé, si le prend traitement contre l'infertilité, li ka porter ti moun. Mais nous wè tout li kon causer un stress kay moun nan moun sa capable li ka vinn gen une dépression. Moun sa capable déprimer parce que imagine ou marié ou ta remé pour ton bébé et pour ou gen difficulté ou bien ou prend poids surtout au niveau de l'abdomen, visage plein poil de temps en temps fois ou ça trouve une image négative de ou même moun sa kon tombe non dépression, moun sa kon déprimé, moun sa kon gen des sautes d'humeur parce que li vinn pas à l'aise dans l'environnement surtout et au niveau social. Et bien le monde a présenté avec toutes caractéristiques ça yo, les troubles de l'humeur et l'anxiété, mon a konn gen des fois le konn gen difficulté pour dormir, mon a konn gen tête fait mal, un tas de choses accompagnées d'autres symptômes. Et depuis pour diagnostiquer le mon a gen deux dans symptômes ça qui présenté toutes les santé présente yo, et bien mon a diagnostiqué avec ce symptôme. Alors on nous prête attention sur une jeune fille à caillou ou bien même ou dans l'âge pour procréer ou pas enceinte ou bien chaque temps enceinte son problème ou bien règle pas régulière, yo vinn le lever des fois pas venir même le vinn li long de longue durée. Alors on nous prête attention à ça. Et logo jeune fille à caillou tout capable tout monde dans l'équipe me connait songe longtemps ou de gain de demoiselle qui 18 ans et pour former. Même pas songe ça qu'on dit qui raison qu'on baï non, mais ça c'est un signe de alors c'est
faut que ta monde non c'est pas seulement on se présentation d'un seul symptôme, faut qu'il gagne l'autre tôt au moins deux pour capable diagnostiquer. Mais monde ça qui peut être 18 ans qui peut entrer en puberté, un bureau t'es capable de chercher la calé, c'est pas grand l'autre syndrome, c'est monde ça diagnostiquer si c'est pas peut-être les prédiabétiques, si c'est pas cholestérol qui élevé, si c'est pas un problème de fertilité, si c'est pas taux androgène qui élevé, eh bien capable diagnostiquer mon ça avec syndrome d'ovaire polycystique. Alors nous dit bon Dieu merci pour grâce li, pour bonté li, pour miséricorde li, qui fait nous, qui quitte nous en vie toujours, souffle la vie en nous-mêmes, c'est pas mérité de mériter. Ça que devancer nous yo, c'est pas et pas parce que nous mieux passé yo, c'est pas parce que t'es pire, mais c'est seulement par la grâce de Dieu qu'on chante qui dit puis devant on a comprendre pour qui. Et ben quel que soit soit par le manger, soit par ça n'a mettez sous connon, soit par nos actions, à nous faire de manière à glorifier le nom de notre Seigneur. Alors c'est là nous camper aujourd'hui avec émission, nous dit tout le monde merci qui t'est prêté nous écoute. D'abord rendez-vous à la semaine prochaine dans une émission similaire. Nous disons au revoir. À la semaine prochaine, soyez bénis.